Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Le mois de février 2019 figure d'ores et déjà dans les records de température relevés avec une moyenne de 21,3 degrés constatés. Le dernier mois de février le plus chaud était en 1960. La douceur a été omniprésente et le soleil bien éclatant, ce temps installé ressemblant fortement à un début de printemps. Il me vient à l'esprit le temps de parler des futurs insectes qui vont, souhaitons-le, vu leur disparition inquiétante à travers le monde, s'installer dans nos jardins. Pour cela, essayons de différencier ceux qui sont bénéfiques pour nos jardins, qu'on appelle les insectes auxiliaires, de ceux qui sont plus problématiques pour nos plantations, que l'on appelle ravageurs, et pour terminer, ceux qui pourraient être dignes d'un film d'Hitchcock, les envahisseurs. Qu'est-ce qu'un insecte auxiliaire ? Comme le nom l'indique, il s'agit d'un organisme aidant à la protection ou bien encore à la pollinisation des cultures. Au niveau mondial, l'ONU a décrété comme enjeu majeur l'utilisation de ces insectes auxiliaires pour éviter la consommation de produits phytopharmaceutiques trop contestés quant à leurs effets sur l'environnement et sur l'humain. Cependant, une utilisation massive d'insectes dans la lutte biologique demande des études très poussées pour éviter tout risque de mettre en place un insecte invasif et destructeur dans le temps. Au-delà de l'aspect mondial, occupons-nous de nos petits jardins et d'y installer, voire de laisser se répandre ces petits insectes qui facilitent nos récoltes et limitent les ravageurs. Commençons par les insectes qui se délectent des pucerons. Le plus connu et le plus apprécié des enfants, la coccinelle. Celle-ci pourrait poster une annonce sur le Bon Coin en écrivant ceci. Cherche jardinier sympa, offrant le gîte et le couvert, propose en échange coup de main pour débarrasser son jardin des pucerons et autres suceurs de sève. Et oui, la coccinelle consomme tout au long de sa croissance à peu près 600 pucerons. Larves comme adultes sont tout aussi efficaces. Je vous conseille de regarder sur internet la forme des larves puis de l'adulte pour chaque insecte, car la morphologie est souvent complètement différente. Il serait donc dommage de détruire des larves en pensant qu'il s'agit d'un ravageur. Dans la catégorie « je raffole des pucerons », il y a également la demoiselle aux yeux d'or, ou la chrysope. Toute frêle et habillée d'une belle robe vert vif qui vire au rose ou au brun à l'automne, quand elle cherche à se réfugier dans les bâtiments pour passer l'hiver. Le panfredon, qui ressemble à une fourmi ailée, est un petit moucheron noir que vous pourrez voir s'installer sur vos plants de fèves par exemple. Il y rassemble un grand nombre de pucerons, voire de cicadelles, qui servent à nourrir ses larves. L'aphidus, qui est un minuscule insecte et fait partie du règne des abeilles, ressemble également à une fourmi volante. Très peu repérable, la femelle pond énormément d'œufs qu'elle dépose dans les pucerons, comme hôte, un œuf par puceron. La larve parasite le puceron, s'en nourrissant jusqu'à la mort de celui-ci et le passage à l'état d'adulte. La guêpe, même si elle possède mauvaise réputation, est une alliée au jardin. Une guêpe solitaire peut capturer 1500 pucerons durant la durée de sa vie. Et la plus commune, la guêpe sociale, s'occupe de 1000 mouches et 1000 chenilles. Le perce-oreille, malgré son appétit pour les fruits bien mûrs, est quant à lui capable de consommer beaucoup de pucerons et de psylles. L'épère, comme toutes les araignées, est une prédatrice ne consommant que des proies vivantes, de sa taille ou plus petite, donc, sauf exception, des insectes et autres invertébrés terrestres. Ensuite, il y a les auxiliaires qui s'occupent de plus gros calibres, comme les chenilles, escargots et limaces. Le carabe, au corps de forme ovale allongé, souvent noir ou vert à reflets métalliques, pourpre, bleu ou doré, est un insecte carnassier qui dévore pas mal de chenilles et les carpocaps des pommes et des poires, mais également escargots, limaces, vert gris et vert blanc.
Le staphylin odorant, discret et nocturne, est un gros coléoptère noir bleuté et fin gourmet de cadavres de limaces et autres invertébrés. Il contribue à la dégradation des matières organiques. La grande sauterelle verte du chêne, principalement carnivore, n'hésitera pas à s'occuper de chenilles et de larves de doryphores. Le cloporte, quant à lui, s'occupe du nettoyage et de créer de l'humus par la décomposition des matières organiques. N'oublions pas, outre les insectes, certains animaux, comme les grenouilles et crapauds, ainsi que nos amis les hérissons, qui régulent également la population d'escargots et de limaces. Après avoir vu les auxiliaires qui nous débarrassent des ravageurs de nos potagers, il y a ceux qui les pollinisent et permettent à la vie de suivre son cours. En première position, l'abeille. Dans certaines régions, elle assure 85% de la pollinisation des plantes à fleurs. À protéger en respectant son besoin d'un écosystème sain et naturel, n'hésitez pas à planter des variétés comme le cornouiller mâle à floraison abondante, du mahonia, des chèvrefeuilles d'hiver, des bruyères pour les aider sur la période hivernale et des fleurs mellifères sur la période estivale. Un des premiers qui fait son apparition dès le mois de février est le bourdon terrestre. Tout pâteau est caractéristique dans son vol quelque peu chaotique, sans lui une perte drastique de pollinisation serait évidente. Le cirf, qui ressemble à une guêpe très rapide, appréciant la position stationnaire, est une mouche pollinisatrice dont les larves se nourrissent de nombreux pucerons. L'osmi, poilu à l'abdomen roux, est une abeille solitaire du début du printemps qui cherche souvent logement dans les trous de votre maison. Ardente butineuse, elle ouvre le bal de la pollinisation. La nature est également faite, selon l'homme, d'insectes nuisibles dits ravageurs. Ici, nous sommes bien sûr dans une considération humaine par rapport à une agriculture souffrant d'invasions non souhaitées. Faudrait-il encore revoir le concept de monoculture sur grande superficie ? Quoi qu'il en soit, il est vrai que certains insectes peuvent inquiéter de temps à autre nos récoltes. En voici quelques-uns. Les altises, qui sont des mouches blanches s'attaquant aux tomates, les carpocaps, qui sont des papillons s'attaquant aux pommes, poires et noix et autres prunes, les différents types de chenilles, les cochenilles, les pucerons, les doryphores et ceux désormais typiques à certaines plantes potagères. Pour le meilleur Hitchcock de l'année, le premier prix est attribué à la chenille processionnaire du pin pour son aspect invasif, circulant en file indienne. Elle est assez reconnaissable. Attention, elle éjecte sous la menace des poils urticants qui peuvent s'avérer très dangereux pour l'homme, voire pour les animaux de compagnie. Toujours rincer abondamment sans frotter, car en se cassant, le poil libère la toxine. Pour le second prix, il s'agit de la pyrale du buis, chenille vorace qui, en quelques jours, peut décimer tout un buis. Ces types de ravageurs exotiques sont une menace pour certaines espèces, cependant ils reflètent également la mondialisation des échanges et finalement l'adaptation des espèces à de nouveaux territoires propices à leur développement. Tous ces acteurs auxiliaires comme ravageurs sont nécessaires à l'équilibre de nos jardins, de notre terre. Par leurs actions, ils préservent la corne d'abondance qui nous est offerte. Cependant, ils ne peuvent réinvestir nos habitations sans que nous ne prenions en compte quelques considérations dont ils ont besoin. Pour accueillir et préserver cette biodiversité, le premier point est de créer de l'habitat à toute cette biodiversité. Sur l'ensemble des espèces disparues ces dernières décennies et celles qui continuent à disparaître, la cause première est la perte d'habitat. L'artificialisation des terres, les espaces bitumés et donc peu d'abris pour tenir lieu d'hébergement. Repenser la biodiversité au cœur de nos maisons, c'est définitivement tourner une page sur le temps d'un jardin complètement aseptisé, dans ses formes et dans sa mise en œuvre, ne lésinant pas sur les engrais et quelques produits susceptibles de gérer à ma place mon manque de connaissances sur la biodiversité, mais également terminer le temps du gazon digne d'une coupe à la brosse des années 80. Vouloir gagner en autonomie par son potager et son jardin, c'est avant tout laisser la nature s'installer et observer les interactions naturelles qui se mettent en place. Les aider,
Et les assister, c'est donc avant tout laisser des recoins, des cachettes pour qu'ils créent un écosystème favorable à leur développement. Laisser pousser des coins de jardin en herbe haute, énormément d'insectes, mais aussi de nombreuses espèces d'oiseaux y nichent à l'année. Le bois est un facteur de vie. Humide et en contact avec la terre, le bois sous toutes ses formes, en couches de copeaux, en souches, en brindilles, mélangés aux ronces, sont tout autant de lieux de vie foisonnants. Pour leur alimentation, semer, planter fleurs et arbres, et tout ira pour le mieux dans votre jardin. Pour résumer cette démarche d'un jardin d'abondance en biodiversité et d'insectes, il suffit d'imaginer un endroit où l'empreinte humaine n'est seulement que la marque déposée au sol par son pied, foulant la nature pour l'observer. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babosses. Green, tu vois ? Mais tu vois, Green, absolument. Green, plus Green.